Bonjour à toutes et à tous. Le mois d'août se termine en beauté avec un soleil éclatant et seulement quelques nuages venant le perturber. Justement, regardons de plus près notre dimanche 29 août. Dans la matinée, le département se réveille sous un grand soleil. Les températures restent de saison avec 12 degrés à La Roche-sur-Yon, 13 en bord de mer et 15 sur les îles. En seconde partie de journée, pas de changement. Il fait beau et un peu plus chaud que la veille. Comptez 26 degrés à Fontenay-le-Comte, 25 à Montaigu-Vendée et 25 aussi à La Tranche-sur-Mer. Regardons maintenant le début de semaine prochaine. Lundi, le soleil est encore très présent sur la Vendée, mais quelques nuages viennent le cacher dans l'après-midi. Les températures sont comprises entre 11 et 25 degrés. Mardi, la brume s'installe dans le bocage vendéen au réveil avant de laisser place à un soleil généreux sur l'ensemble du territoire avec un thermomètre qui affichera de 12 à 26 degrés. Mercredi, cette première journée du mois de septembre s'annonce ensoleillée, mais pourrait être perturbée par quelques entrées maritimes sur le littoral. Côté Mercure, comptez 12 minimum le matin et jusqu'à 26 au plus chaud dans la journée. Revenons à présent à notre dimanche 29 août. Nous perdrons à nouveau 3 minutes d'ensoleillement. Nous souhaiterons une très belle fête à toutes les Sabines et la mer sera belle. Pour plus d'informations sur l'état de la mer, justement, n'oubliez pas de regarder la météo des plages sur TV Vendée. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle fin de week-end et vous dis à bientôt pour un nouveau bulletin météo.